Et bonjour internet, bonjour petit canard, ici Casabania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, moi je l'ai, je retrouve avec grand plaisir les amis, sur une vidéo top, top jeu gratuit sur PC, épisode 2, donc les jeux jouables en 2017, qui sont gratuits et qui sont pour moi les meilleurs. Rappelez-vous, je vous avais fait une sélection il y a quelques mois déjà, donc la première, vous présentant les meilleurs jeux disponibles sur PC et jouables en 2017, et je vous avais promis de faire une deuxième sélection aussi de 15 titres, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui me plaisent et qui, à mon avis, rentre dans des catégories de jeux qui tiennent la route depuis une paire d'années, qui sont encore jouables en 2017 ou qui viennent d'arriver et qui sont très prometteurs, et je voulais vous faire un épisode 2. Voilà. Donc, excusez-moi entre parenthèses hein, pour la voix un petit peu de canard, hein, je suis malade actuellement lors du tournage de la vidéo. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, un partage, à vous abonner, n'hésitez pas non plus à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce top, s'il y a des choses qui vont, des jeux que je n'ai pas cités, qui auraient pu être cités. Je rappelle que c'est donc l'épisode 2, ça nous fait encore une quinzaine de jeux, il y en a beaucoup j'aimerais présenter, mais voilà, je finirai donc cette introduction par vous dire que c'est un top personnel, donc avec très subjectif, avec mes goûts, mes envies, mes expériences de joueur. Voilà, donc j'espère que vous trouverez quand même votre bonheur dans cette sélection. Allez, sans plus tarder, on se lance. 15e. Je vous propose MechWarrior Online, qui est pour moi le meilleur jeu de mecha online du marché, tout simplement. Alors, ce jeu, vous allez vous retrouver donc au pilotage d'un mecha que vous allez pouvoir améliorer, modifier vraiment comme vous voulez. Je trouve que le garage est assez bien foutu. Vous pouvez vraiment modifier votre mecha comme vous voulez. Et les combats sont super. Il y a un système de cartes avec des systèmes de territoire, de factions, de contrôle de zone, etc. Et l'ambiance est vraiment chouette. On se croit comme dans un aquarium, dans son cockpit. Il y a les basses à fond qui roulent, les lasers qui vont dans tous les sens. Donc on sent bien la puissance des machines. Et moi, ce jeu, je le trouve énorme. Il est souvent... Il n'est pas assez mis en avant, je trouve. Donc, je profitais de ce top pour le présenter. MechWarrior Online. 14e. Trackmania Nations Forever. Alors là, c'est bien le jeu de tryharder à fond les ballons. C'est le Trackmania gratuit. Donc, Trackmania, c'est la licence de jeu de course arcade sur lequel les joueurs vont pouvoir créer leur propre circuit. C'est ce qui fait la force de cette licence. Donc, je rappelle, Trackmania Nations Forever, celui-ci est gratuit depuis une paire d'années. Il est vieux, mais il tourne toujours. Il y a toujours du monde. Il y a beaucoup de gens. Il y a même des compétitions. Hein. Donc, le but étant de battre les chronos en ligne contre d'autres joueurs, tout simplement. Donc là, très simple gameplay, 4 touches, avancer, freiner, gauche, droite, et c'est parti. Vous pouvez donc créer vos propres circuits et les partager en ligne. Alors vous voyez que les circuits, c'est souvent super arcade et ça va très vite dans tous les sens et c'est très plaisant. Donc pour ceux qui veulent battre des records ou construire des circuits, allez-y, foncez, Trackmania Nations Forever. 13e. Avec Trove. Alors Trove est un MMORPG, un jeu en ligne qui s'inspire grandement d'un gameplay type Minecraft, hein, faut pas se le cacher, d'un univers aussi cubique dans lequel vous allez pouvoir casser, construire, crafter, rencontrer d'autres joueurs. Donc on est plus là sur un MMO à proprement parler, sur un monde massif qui est toujours en ligne, hein, tout simplement, on n'est pas sur des serveurs uniques, et le but va être, bah écoutez, de looter, d'être de plus en plus fort, tout simplement. Donc un grand monde, un mélange entre MMORPG, bac à sable et construction, c'est très coloré, c'est un jeu qui tourne, qui est bien tenu, il y a une communauté solide dessus, pareil, il manque un petit peu ce jeu de mise en avant, mais il est très plaisant pour ceux qui aiment ce style, qu'on en marre des MMO à l'ancienne, un peu classique. Là, vous avez vraiment un mix entre MMO, RPG, exploration, construction, univers, sandbox. Voilà, donc foncez, Trove. 12e. Avec Robocraft. Robocraft, un jeu de combat de robots aussi. Attention, on n'est plus sur MechWarrior, on est vraiment sur autre chose. Le but va être de construire votre petit robot. Donc il peut être volant, il peut être roulant, il peut être sur chenille. Vous faites comme vous voulez. À vous d'imaginer votre robot idéal. Et ensuite, vous allez donc vous lancer dans des arènes où deux équipes vont se foutre sur la gueule
pour marquer des points, et là, l'équipe qui fait plus de kills gagne la manche, tout simplement. Donc le but vraiment va être de se marrer, on passe beaucoup de temps dans son garage à essayer de créer le meilleur robot du monde, le truc qui tire des lasers, le machin qui découpe les autres, le truc volant qui largue les bombes, donc bref, on peut vraiment se marrer comme on veut. On est vraiment libre de faire la bête immonde que l'on veut, et ensuite on peut aller fracasser d'autres robots en ligne. Donc vraiment, on reste sur le concept d'arène, combat d'arène de robots, hein, comme il peut exister en IRL, notamment dans les grandes universités technologiques. Bon bref, voilà. Robocraft, pour ceux qui aiment le côté construction, invention et combat de robots, c'est le top du top. 11e. Je vous présente Zula. Voilà, je voulais vous présenter un FPS. Moi, je suis un grand fan de Counter-Strike. Malheureusement, Counter-Strike est payant. Certes, il ne coûte pas cher, mais tout le monde ne peut pas acheter des jeux. Je pense notamment aux jeunes qui n'ont pas de carte bleue, par exemple. Zula est un peu une copie d'un CSGO. Voilà, sans être méchant avec lui, effectivement, il y a des maps qui ressemblent beaucoup, hein. Il y a une map qui ressemble à Dust 2, il y a une map qui ressemble à Aztec. Donc, on pourrait parler de copier-coller, mais non. Le jeu garde quand même son ambiance personnelle. C'est un jeu qui est développé par des Turcs, si je dis pas de bêtises. Il y a une grosse communauté, du coup, turque in-game. Mais il y a aussi, on trouve aussi des Français, des Anglais. Et donc, pour les gens qui aiment le gameplay CS, voilà, vous allez vraiment vous trouver dans Zula très à l'aise. Hein, ça touche de la même manière, on retrouve un petit peu les mêmes armes, on trouve un peu les mêmes maps, du coup. Donc moi, je le trouve vraiment pas dégueulasse. Pour un jeu, pour un FPS gratuit, ça touche. On peut faire des clans, on peut faire des compétitions, etc. Donc foncez, voilà, si vous voulez un FPS gratuit qui se rapproche d'un CSGO, c'est vraiment le bon titre. Allez-y, Zula. 10e. Avec Terra, que je n'avais pas présenté lors de la dernière Select. Terra, MMORPG, free-to-play, un des piliers, je pense, des MMO free-to-play qui tourne depuis une paire d'années. Donc Terra, je rappelle vite fait, c'est un jeu heroic fantasy où vous allez donc contrôler diverses races qui ont vraiment des caractéristiques propres. Et c'est surtout le système de combat qui est fort sympathique dans Terra, avec ce système ciblage souris, dynamique. Donc il y a du gros PvE qui tâche, avec des gros boss à flinguer, et du PvP aussi qui est vraiment assez bien fait à grande échelle. Voilà, je ne parlerai pas du cash shop de Terra, car je suis pas allé assez loin dans le jeu pour donner mon avis à ce niveau-là, mais moi, ce que j'ai vu dans le gameplay, ce qui, voilà, mes premières heures, mes premières quêtes, mes premiers combats, mes premiers donjons, etc., j'ai vachement aimé, j'ai vachement accroché. Donc Terra, je vous le représente, je vous le mets ici en 10ème position, du top jeu gratuit, série 2, PC 2017. 9e. On change de style avec Duelist. Voilà, Duelist est un mix des genres entre jeu, combat, tour par tour, stratégique, tactique. Un jeu intéressant, voilà, par exemple pour les gens qui sont des joueurs de Hearthstone, qu'on en marre, des gens qui sont des joueurs de... je ne sais pas, de Smite Tactics ou de Chronicle Legends, voilà, tous ces genres de jeux, et qui ont un petit peu marre, vous pouvez tester Duelist. Il est beau. Il est frais, il est coloré, il tourne, il est pas buggé, il marche super bien, il a une très bonne note, une communauté active et qui aime son jeu. Voilà, donc du tour par tour, combat stratégique tactique, en ligne contre d'autres joueurs. Voilà, j'ai tout dit, à vous de vous lancer, de vous entraîner et de devenir le meilleur duelliste. 8e. Avec Black Squade, qui est aussi un FPS. Alors celui-là, il est sorti il y a peu de temps. Black Squade, pour moi, ça serait plutôt... Je vous parlais de Zula, qui était un petit peu la copie de CSGO. Moi, je dirais que Black Squade, il tire son essence d'un Call of Duty. Voilà. Donc le moteur graphique du jeu est bien mis à jour. C'est beau, ça a de la gueule, ça, y a pas à dire. Et on trouve un gameplay nerveux sur des maps assez petites, avec des joueurs et un temps de repop rapide. Donc on est vraiment dans un type de gameplay plus à la Call of Duty, qui pourrait peut-être séduire plus les jeunes de 15 ans que les vieux comme moi qui ont commencé sur CS 1.5 par exemple. Donc Basquette, foncez pour ceux qui aiment ce genre de jeu, pour ceux qui ont marre de Call of ou qui voudraient s'acheter un Call of mais qui n'ont pas de carte bleue, hein, comme je disais tout à l'heure. Bref, allez-y, Black Squad, il y a du monde toujours dessus, enfin il y a même beaucoup de monde, hein, il est assez récent, puis il y a une bonne communauté et pas mal de bonnes notes, donc longue vie à Black Squad. 7e.
avec Arcage. Alors Arcage, je vous le ressors depuis des années, je le sais, j'assume. Arcage est pour moi le meilleur MMORPG auquel j'ai pu jouer, entre parenthèses, quand il était en version alpha-bêta. Je m'explique, le jeu est excellent. C'est un jeu très prenant dans lequel deux factions se foutent sur la gueule. Il y a tout un système d'économie, vous allez pouvoir créer votre maison, mais attention, à la comparé aux autres MMO, vous créez votre maison dans un lieu instancié que personne ne voit. Ici, vous le créez en plein milieu de la map, donc sur le serveur, et tout le monde passe à côté. Vous pouvez créer votre jardin, vous allez pouvoir faire du craft, vous allez pouvoir faire du transport de marchandises d'une ville à l'autre pour récupérer des sous, vous allez pouvoir construire un bateau, un galion, il fout 30 autres personnes dedans pour aller chasser les poulpes géants. Bref, on peut faire énormément de choses. Vous pouvez pouvoir faire du PK, tuer des autres joueurs de votre faction pour leur voler leurs items, etc. Bref, je pourrais passer une demi-heure à vous dire tout ce qu'on peut faire sur Arcage. Et je revenais donc à cette petite remarque que je vous ai fait en début. C'est que pour moi, ce jeu est le meilleur MMORPG auquel j'ai joué lorsqu'il était en alpha et bêta. Et ensuite, Trion Worlds l'a un petit peu fumé lors de sa sortie en nous imposant un cash-up de merde. Voilà, il faut le dire. Par contre, j'ai cru comprendre qu'au fur et à mesure des mois et des années et des mises à jour, ils ont essayé de virer tous les cheaters, parce qu'on s'est retrouvé avec des cheaters bien évidemment, et ils ont essayé d'alléger aussi leur cash shop. Donc voilà, pour ceux qui recherchent un MMO hardcore sur lequel se poser, je ne peux que vous conseiller de trouver déjà une communauté française pour être un petit peu pris en main, et lancez-vous dessus, Arcage, il est top. Sixième. Avec Elder Scrolls Legends, ça c'est le jeu de cartes de la licence Elder Scrolls. Voilà, un jeu de cartes encore, il y en a beaucoup, mais celui-là, il m'a bien plu, déjà parce que j'adore la licence d'Elder Scrolls, et qu'en plus on trouve des mécaniques et des règles de jeu très différentes d'un Hearthstone par exemple, avec notamment un plateau de jeu qui se divise en 4. Bon bref, il y a plein de petites subtilités dans les règles qui font que le jeu a vraiment son ambiance à lui propre. Il y a du monde dessus, il y a du monde, il y a un système bien évidemment de loot, de booster, il y a un système de classement, de rank, etc. Allez-y si vous n'avez pas accroché au hit du genre Hearthstone par exemple, Elder Scrolls Legends, attention, peut vraiment être un très très bon jeu. Je vous le suggère fortement. On arrive dans le top 5 les amis. Avec en 5ème position, Wildstar, qui est pour moi un MMORPG de très grande qualité, qui est complètement sous-estimé. À la base, il est sorti payant, il y a eu pas mal de monde dessus. Alors pour moi, ça serait le WoW du futur. Je m'explique, on se retrouve dans un univers vraiment très très grand, avec un lore extrêmement complet. Il y a de l'humour tout le temps, il y a du second degré tout le temps dans ce jeu, il y a un peu d'humour noir, c'est fort sympathique, c'est un petit peu adulte. On retrouve ensuite une ambiance un peu plus colorée, on va dire, avec des graphismes un petit peu cartoonesques, à la manière d'un WoW, j'ai envie de vous dire. Et après, il est complet, de chez complet. Des quêtes, il y en a à foison, le monde, chaque carte est différente et intéressante. On peut vraiment monter sa classe comme on veut, on va pouvoir monter ses talents, ses spécialisations. Et ce qui est intéressant dans Wildstar, ce qui le différencie des autres jeux, c'est son système de combat, qui est un mélange de combat dynamique, de ciblage au sol. Bref, c'est assez dynamique, rapide et difficile. Voilà, c'est aussi un des grands reproches qui a été fait à ce jeu, c'est le PVE, notamment au niveau qui devient extrêmement dur, et pas mal de joueurs ont quitté le jeu pour ça, par la frustration de se faire rouler dessus par les monstres en PVE en haut niveau. Donc moi j'ai jamais été assez haut niveau pour tester ce PVE haut niveau VHL, mais voilà. Donc Wildstar pour moi est un très bon jeu, sous-estimé, si vous aimez WoW par exemple, même si vous ne menez pas WoW, mais si vous aimez un petit peu les univers futuristes rigolos, mais qui demandent du challenge, allez-y, foncez, Wildstar. On arrive en 4ème position. Avec War Thunder. War Thunder, c'est un jeu que j'ai appris à découvrir. Moi qui jouais un petit peu de temps en temps à World of Tanks, j'ai découvert War Thunder sur vos conseils notamment, et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que War Thunder, c'est un jeu de guerre, si vous voulez, qui est un mélange entre simulation et arcade. Notamment, il y a deux modes de jeu, il y a le mode arcade et le mode simu. Et vous allez pouvoir donc contrôler des avions
pour faire des dogfights en l'air contre d'autres joueurs. Vous allez pouvoir avoir des chasseurs, vous allez pouvoir jouer avec des bombardiers, etc. Vous allez pouvoir faire des combats de tanks sur Terre, à la manière d'un World of Tanks, notamment. Avec, pareil, des tanks qui sont plus pour le combat à distance, des tanks qui sont plus pour le corps à corps, etc. Et enfin, vous allez pouvoir, avec la nouvelle mise à jour, faire des combats de navires, de bateaux sur des énormes maps et sur des entre les vagues. Voilà, donc moi pour War Thunder il est extrêmement complet, j'aime beaucoup son gameplay qui est un mélange comme je disais d'arcade et de simulation. Il est très plaisant, il est beau, il tourne tout seul, il y a énormément de monde, on peut vraiment personnaliser son garage comme on veut avec ses avions. Le cash shop est pas trop emmerdant, surtout dans les tiers bas. Après, je ne sais pas trop dans les hauts tiers si il devient indispensable. J'espère que non. Mais j'ai passé beaucoup d'heures dessus et j'ai beaucoup aimé ce jeu. Je ne peux que vous conseiller War Thunder. On arrive en troisième position avec Smite. Il fallait que je vous le mette quelque part celui-ci, parce que Smite c'est un jeu unique, c'est une pépite je trouve. Ce jeu Smite est le MOBA en troisième personne. Vous connaissez les MOBA, je vous les ai présentés dans différents tops, le League of Legends, Dota 2, tout ça, ont tous un petit peu le même fonctionnement. Vu du dessus, clic souris, Smite est complètement différent. Vous allez contrôler votre héros en vue troisième personne, donc vous êtes vraiment dans l'arène, ce qui change tout, et vous allez donc vous friter la gueule sur les règles d'un MOBA classique, hein, les trois lignes, avec les tours, les creeps qui avancent, l'achat d'items pour vous améliorer, l'XP, etc. Alors, il y a le gros côté MOBA qui marche très bien sur Smite, mais il propose aussi ce jeu divers modes d'autres modes de jeu, notamment le couloir unique, il propose un mode arène. Bref, il est vraiment cool, il est complet, il y a beaucoup de monde dessus, bonne communauté, il y a des événements qui sont lancés, il y a des championnats du monde, etc. Donc c'est vraiment un jeu qui tient sur le temps, et je tenais à lui donner cette troisième place et à lui mettre cette petite couronne de bronze. Smite. Allez, seconde ce top, les amis. Avec Rift. Je sais, je vous bassine, je vous ressors des trucs que je vous ai déjà montré peut-être dans d'autres tops, mais pour moi, Rift est un très bon MMORPG. Vous savez que je suis avant tout un joueur MMO, donc je ne pouvais que vous le présenter dans cette série 2 des top jeux gratuits PC jouables en 2017. Donc Rift, c'était à l'époque le concurrent de WoW, hein, faut le dire, tant ça se ressemblait dans le gameplay, sauf que Rift, je trouve, est extrêmement complet dans la possibilité de choisir la spécialisation de son personnage. Je m'explique, vous allez créer un perso et vous allez pouvoir lui choisir trois branches de spécialisation et donc vraiment faire le perso de vos rêves. Ça peut être un mage lanceur de boules de feu archer, ça peut être un voleur qui dresse des lions, ça peut être un healer bâton, je sais pas, qui fait tomber la glace. Bref, vous allez vraiment pouvoir jouer comme vous le souhaitez. Donc comme tout bon MMORPG qui tient, qui se respecte et qui tourne depuis des années, il y a eu beaucoup de mises à jour, il y a du housing, il y a tous les systèmes de craft, il y a les donjons, les raids, les événements dynamiques in-game, les nouvelles zones au niveau, le PvE, le PvP, bref, c'est extrêmement complet et moi, j'ai jamais été emmerdé par le cash shop. Voilà, petite parenthèse, il est vrai, j'avais acheté le jeu quand il était sorti à l'époque, donc j'ai un compte pseudo premium, mais je ne paye rien tous les mois. Mais voilà, je suis pas emmerdé et je ne peux que le vous conseiller pour ceux qui aiment un peu ces MMO. Voilà, maintenant qu'on appelle les MMO à l'ancienne, parce qu'effectivement les MMO récents ne sont plus du tout dans cette optique, mais donc ceux qui aiment les MMO à l'ancienne, comme a pu être WoW Vanilla par exemple, Rift reste un très très bon jeu. Allez, on arrive à la première position de ce top. Et je vous propose un jeu qui est sorti récemment, qui est tout neuf. C'est Fortnite Battle Royale. Voilà, Fortnite c'est un jeu sur lequel je passe beaucoup de temps, notamment avec mes amis et collègues que vous connaissez sans doute, que vous êtes déjà vu croiser, que ce soit en live ou en vidéo, Inotna, Ant et Estelle par exemple. Voilà, Fortnite Battle Royale c'est un Battle Royale gratuit et je le trouve super. Voilà, vous connaissiez les Battle Royale de type H1Z1 et PUBG qui eux sont payants, et là Fortnite Battle Royale nous propose une autre dimension. La map est un peu plus petite, les combats sont plus rapides. Contrairement aux autres Battle Royale, on passe pas son temps à chercher des canettes de soda ou des sandwichs pour faire remonter sa vie ou quoi qu'est-ce. On court pas pendant une demi-heure pour trouver
voilà, pour trouver une clé à molette et puis un pipeau. Là, tout de suite, on arrive dans le feu de l'action. En 3 minutes, on a trouvé une arme. En 4 minutes, on a tué son premier type. En 5 minutes, on a construit sa première base. Et au bout de 20 minutes, généralement, le dernier survivant remporte la game. Donc c'est fluide, contrairement à PUBG. Je suis désolé, mais je le dis, PUBG, si t'as pas un PC de la NASA, et bah ça rame. Là c'est fluide, dès le début, on voit ce qui se passe à l'écran. Il n'y a pas des fioritures partout avec des arbres bizarres, et tu sais pas si c'est un arbre, un caillou ou quelqu'un. Là on voit bien, on voit tout, on sait ce qui se passe. Bref, c'est propre. Vous l'aurez compris, je suis fan du jeu. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Donc il y a Fortnite Battle Royale qui est disponible gratuitement. Il est encore tout neuf, donc soyez pas trop exigeant. Il manque encore le classement, par exemple. Il manque encore les loots de fin de game, la personnalisation de personnages, etc. Mais j'espère que ça va arriver rapidement. En tout cas, les bases sont là. On peut faire du BR solo, duo, en escouade de 4, et c'est très très propre. Donc voilà, grand big up, voilà, comme disent les jeunes, à Fortnite Battle Royale. Voilà les amis, c'était mon top jeu gratuit PC jouable en 2017, série 2. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens pour télécharger les jeux que je vous ai donc présentés. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les liens importants, notamment le Twitter, le Facebook, Instant Gaming, partenaire de la chaîne, pour trouver vos jeux à prix cassé, ainsi que mes divers sites. Si vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas non plus à faire un tour. Tous les samedis, c'est la série Free to Play, où je vous propose 5 jeux gratuits disponibles sur PC que je vous teste et présente. Prenez soin de vous, c'était Kaz. Gros bisous, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. À la prochaine, amis, bien.